Chouchou, bidou, bidou. Ah oui, je suis pas maquillée. Tout d'abord, une chose. Merci, 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 parce que ben, mon ressenti était tellement fort et j'apprécie énormément et ben, que vous pensiez la même chose. J'avais l'impression qu'il n'y avait que moi qui pensais que ça. Et en fait, voilà, on a un gouvernement, c'est une catastrophe. Point, on n'en parle plus, barre à la ligne, mais on fera parler. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on va se maquiller. Donc, je vais utiliser ce make-up. Voilà. Alors, ce que vous entendez, le bruit, c'est Ivy qui joue avec mes pinceaux. Il faut savoir qu'ils sont dans des trucs comme ça. J'en ai plein. Vous voyez? Et là, elle a déjà trouvé celui-là. Il y en a plein derrière. Hein. Voilà. Donc, elle est en train de jouer avec. Donc, si vous l'entendez un bruit, c'est qu'elle fout les trucs par terre. Ben, on y va. Tout d'abord, celui-ci. C'est le liquide bébé crème Herborian. J'ai accepté un partenariat pour des rides. On verra bien. Parce que c'est vrai que j'en ai besoin un petit peu là et là. Mais sincèrement, je suis pas très partenariat. Ça commence à. Je sais pas. On verra. Donc voilà, ceci. Allez. Et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ça sent bon. Et voilà. C'est celui qui fait la peau de bébé. Il s'appelle Liquide Bébé Crème au Ginseng de Herborian. Moi, je m'en sers tout le temps et je trouve qu'il est super, super efficace. La couleur, je crois que c'est beige doré, je crois. Voir. Ivy, elle est en train, juste à côté. Elle adore le make-up, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, voilà. Moi, j'uniforme un petit peu, uniformise un petit peu comme ceci. Je ferme. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre mon concealer. Alors, j'ai acheté les concealers. Regardez, vous voyez, je vous le dis, elle va piquer du maquillage. J'ai jamais vu un chat comme ça qui pique le make-up. Voilà, je vais faire comme ceci. Et comme ceci. Et je prends l'éponge. Et je tapoutine. Et je tapoutonne. Voilà. Alors moi, il n'y a pas besoin d'accélérer, je ne vous dis pas. Il n'y a pas plus rapide. Peut-être une petite. J'ai rendez-vous, je dois faire une mammo. Bah ouais, parce que comme j'ai un cancer du sein. Oh, bref, on n'en parle pas de ça. En 2008, on s'en fout. Donc voilà, il faut que je vais chercher mon ordo. Et puis après, j'ai un autre rendez-vous. Voilà. Alors, on va faire un test. On va faire un test. J'ai acheté. Elle est allongée, vous la voyez pas, mais elle est allongée, regardez. Voilà, elle est allongée à côté de sa maman, elle aime bien. Voilà, elle a besoin, hein. Elle a besoin, cette fille. Hein. Je prends ce pinceau de Make-up Révolution et je vais prendre le baking translucide. Et voilà, et je vais tapoter là. Voilà. Vous loupez Ivy, là, je vous le dis. Hein. Regardez, moi, je vous la montre, allez. Non, mais, hé hey. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je dis, il faut qu'elle soit toujours à côté de moi quand je me maquille. C'est un truc de dingue. Bon, on y va. Je vais prendre celle-ci. Allez, go. Vous êtes prêts? On est prêts. Go, go, go. Alors, vous allez voir comment je fais. Vous allez halluciner. Mais vraiment, je vous dis, vous allez halluciner. Déjà, je prends ce petit pinceau tout fin. Qui est normalement soi-disant pour le nanana. Moi, je m'en fous, je fais comme je veux, comme j'ai envie, comme ça me. Voilà. Je fais ceci, je prends ce vert-là. C'est la palette, je vous dis, c'est la palette Passion Fort Color. Elle est toute pigmentée, j'adore. Alors, regardez ce que je vais faire. Je vais regarder comme ça. Vous voyez, comme je fais comme ceci. Voilà. Je reprends ce vert. Pour l'instant, j'ai pas mis de base à paupières. Hein. Je vous dis, on fait des expériences. Hein. Donc, c'est des expériences. Ok. Donc, comme ceci. Alors, ça, par contre, c'est le top du top. Je vous le dis que ça. Vous savez, moi, je suis un peu le MacGyver hein, pour trouver des combines pour arriver à faire à peu près un truc pas mal. Je suis. Oui, Ivy.
Elle fait la belle. Voilà. Voyez déjà ce que ça donne. On recommence. Et je refais ceci. Ok. Voilà. Voilà. Ah, regardez, quand je vous le dis, quand je vous dis. Tu veux que je te maquille, c'est ça? Tu veux que maman te maquille, mais t'as pas besoin, t'as déjà du eyeliner. Regarde-les là. Non, tu joues pas avec. Elle adore. Voilà, déjà ce que ça donne ceci. Maintenant, on a déjà ce que je voulais, mais on va remettre un petit peu de comme ceci là. Là, celui-là. Le vert un peu plus clair. Je vous la conseille, elle est à 4,99 hein. Parce que en même temps, je trouve que ça estompe et on arrive, on va pas. Vous savez quoi, ça? Je l'avais acheté à Action. Il y en avait trois. C'est pas parce qu'on doit servir du truc, parce que c'est comme ça, qu'il faut l'utiliser comme ça. Moi, je dis non. Alors, par contre, ceci. Alors, je m'en sers beaucoup, hein. Maintenant, je vais faire comme ceci, parce que je sais exactement où je vais aller. Vous voyez? C'est pas que je ne sais pas me maquiller, je savais me maquiller, mais je veux changer. Alors, il y a toujours un endroit. Et là, on va faire un petit peu, on va monter un peu légèrement. Mais légèrement. Ah ben moi, je vous dis qu'avec ça, vous êtes obligés de savoir vous maquiller. Voilà. Donc déjà, comme ceci. Et j'ai pas une lumière top. Hein. Voilà, on est d'accord. Ça, maintenant, bah maintenant, faut. Maintenant, faut estomper. C'est trop facile de faire comme ça et puis de ne pas estomper. Maintenant, il nous faut un estompeur. Des bouts comme ça. D'accord? Et on va faire comme ceci. Là, il faut finaliser hein, quand même. Hein. Voilà. Sinon, ça fait trop vert. Un plus petit comme ceci. Et je vais prendre celui-là. D'accord? Et maintenant, ce que je vais faire comme ceci, mais tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Pour nettoyer ces pinceaux entre deux, ceci, Sephora 4,40. Petite éponge, moi je la lave tout le temps, il faut que je la relave. Ce vert-là, comme ça, un peu très 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 clair. Un peu vert d'eau, mais toujours irisé parce que je trouve que c'est plus facile pour moi. Je vais tapoter là. Et je vais tapoter là. D'accord? Voilà. Comme ceci, je tapoutate, je tapotote. Je vais reprendre celui-là. Faut oser, hein? Osons. Osons et buons. Et vous savez quoi, j'arrive pas à chaque fois. Alors, on va faire un truc. On va faire un comme ça et un comme ça. Parce que là, c'est un peu plus foncé. Un clair, un foncé. Je vous dis, on fait des essais, on est d'accord, hein? Vous avez vu comment j'ai fait? Comme ceci et comme ceci. Et je remets juste là un peu plus foncé. Ouais, mais attendez, parce que alors moi, là. Voilà. Ok. Tout fin. D'accord. Et je vais prendre comme ceci sur mon pinceau. Parce que sinon, ça étale trop, c'est une catastrophe. Et j'ai pas envie que ce soit étalé trop. Voilà, je le remets là. C'est le highlight glitter. Et je vais faire comme ce. Je vous dis, moi, je fais pas comme tout le monde. Je vais faire ceci. Mettre une petite pointe de doré. Voilà. Une là. Une là. Maintenant, je vais prendre le pailleté. Je vais faire la même chose, hein, parce que moi, je déteste. Voilà, et je vais faire la même chose. Je prends les paillettes. Mais attention, il faut un tout petit pinceau, sinon ça ne sert à rien du tout. Hein.
Sinon, ça sert à rien. Hein, autant prendre le pinceau normal. Et je vais. Voilà. Et voilà. On fait des essais. Hein. Je propose de prendre un estompeur et d'estomper ça. Sauf que ça fonde dans les deux couleurs, mais vous savez, c'est pas facile. Hein. Voilà. Bah écoutez, voili voilou. Il manque quelque chose. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Il manque quelque chose de très important. Il manque ce verre-là. Et où? Eh ben là. Voilà, il le manque là. De chez NYX, vert bronze. Mais j'ai pas de lumière en fait, c'est compliqué. Voilà. Et voilà. J'ai pas de ring light. Et. Si j'ai une ring light, Yannick. Yannick. Ivy, elle va sauter dessus. Il y a trop de luminosité là, c'est une cata. Voilà. En fait, ça fait ça. Ok, et maintenant, la touche finale. C'était le Kiko produit naturel. Alors, je vous montre. En fait, c'est une question d'habitude. Hein. Même si vous ne savez pas le faire, c'est une question d'habitude. Hein. Moi, je ne savais pas le faire. Hein. Et maintenant, j'ai compris qu'il faut aller au-dessus et pas en dessous. Et là, pour le coup, on va faire comme ceci. Et on va le teinter. On va le mettre ici, en ras de cils. Voilà. Oui, bébé. On le met en ras de cils. Auparavant, on a mis le vert bronze. Voilà. Mais juste là. Voilà. Bébé, doudou, t'es belle. Regardez. Oh, bah, t'en as une de ces positions. C'est quoi cette position? Elle adore être sur le dos. Elle aime bien mon ventre. Chez Body Shop. Je prends le rose et je fais comme ceci. Et voilà. Et voilà. Je vois rien, hein, je ne sais même pas ce que ça donne. Hein, je vais mettre un peu de bronzer. Et puis comme j'adore, par-dessus tout, c'est ma vie, c'est ma passion. Oula, oulala, oula, oulala. Je l'adore. Et ben, allez, hop. Voili voilou. On va essayer le mascara Benefit. Ben, il a l'air très bien. Comme ça, regardez. Voilà ce que j'ai oublié. Vous savez quoi? C'est ça que j'ai oublié. Et je vais le mettre comme ça. Et je vais le mettre comme ça. Et comment vous faites, vous, quand vous vous maquillez pour retrouver vos pinceaux? Voilà. Et on estompe. Et on estompe. Ici. Et on va prendre celui-là et celui-là. D'accord? Et on va juste refaire une petite pointe comme ça. Et une petite pointe comme ça. C'est ce que je veux. Mais j'ai pas de lumière super. Hein. Je vous cache pas que là. À la limite, la lumière du matin, elle est mille fois mieux. Ceci. Et je cache mes racines. Voilà. Voilà, hein, highlighter. Et voilà. Le crayon, Kiko,
Nyx, je sais plus. Nyx. Alain. Et je vais mettre. Alors, normalement, il va avec celui-là, regardez. Vous avez vu, chez les NYX, vous avez la petite crème comme ça, qui va dedans, et vous avez le rouge à lèvres, comme ceci. Je crois qu'il s'appelle pétale de rose. Max and More, que j'adore. J'aurais pu faire un ton marron, mais j'avais pas envie. Bah écoutez, voilà. Alors, si ma vidéo vous a plu, faites ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire si je m'améliore ou pas. Magique. Voilà, sur ce, je vous dis I love you. Isli me dis, je te quiero. Te amo. Je suis habillée comme ceci. Voilà, ça vient de chez Marion. Non, ça vient de chez Marion, n'importe quoi. Ça vient de chez ProMode. Voilà, j'ai cette petite robe-là. Et là, je vais mettre. J'avais acheté chez Action. Bah, d'ailleurs, je vais faire maquillage Action et comme ça, parce que je parle beaucoup d'Action. J'avais acheté chez Action cette petite boîte qui est magnifique. Regardez. Elle est sublime. Elle était à 1,49. Elle est à 1,99 en ce moment. Et je vais mettre mes fameuses boucles d'oreilles qui vont très bien avec. Hein, vous le savez. Et je vais mettre mon fameux collier que j'adore. Alors, le fameux collier qui est celui-ci. Je vous aime et surtout dites-moi en commentaire comment vous faites pour ne pas avoir des tas de pinceaux comme moi là et les chercher. Je les cherche tout le temps, vous voyez. Là, non, j'en ai plein d'autres, hein. Mais je suis obligée de faire un tri déjà pour savoir ce que je veux comme pinceau pour chaque maquillage. Mais là, c'est abusé quoi. Je sais plus. Je vais tout foutre comme ça. J'avais acheté ça, c'est trop sympa. C'est un petit panda chez Sephora. C'est trop mignon. Voilà mes choubidous. Ben, on a essayé celui-là. On va le remettre un peu. Voir. Voilà. Pronta. Sono pronta. À bientôt. Bye. Ciao.